Open Data, la GIZ et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, communément appelée ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire. Le LEN Portal, vous le savez, a commencé à publier les rapports sur l'état des informations foncières en 2019. Le répertoire a commencé avec le Kenya, la Tanzanie, le Soudan du Sud, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Sénégal, et se poursuivra cette année 2023 avec le Malawi, la Zambie et le Botswana. Le LAN Portal a pour objectif de développer des rapports solides pour une douzaine de pays d'Afrique d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici 2024. Bien que les rapports solides soient des produits de recherche indépendants, ils servent également de première étape dans la mise en œuvre du guide OpenUp pour la gouvernance foncière. Le guide OpenUp pour la gouvernance foncière est un outil destiné aux agences gouvernementales nationales et locales ayant un mandat ou un intérêt à rendre leurs données de gouvernance foncière ouvertes et disponibles pour que d'autres puissent les utiliser éventuellement. C'est pourquoi le guide OpenUp est le résultat d'une collaboration entre la Fondation LAN Portal et Open Data Charter. Pour marquer cette nouvelle publication, mesdames, messieurs, le LAN Portal a convoqué ce panel pour discuter des questions et problèmes clés qui ont émergé dans le domaine des données et informations foncières. Il y a juste quelques notes d'ordre logistique avant le démarrage de ce webinaire. Alors, ces quelques notes logistiques sur le webinaire, je voulais dire juste qu'il est organisé comme une conversation dynamique avec nos panélistes, que je remercie d'entrée de jeu. Donc, il est organisé une conversation dynamique avec nos panélistes pour obtenir vraiment plus d'informations sur ces différentes initiatives qui sont lancées. Nous aurons quelques séries de questions avec nos panélistes. Puis, le public également aura l'occasion de participer en posant des questions de clarification. Alors, pour les questions, c'est très simple, hein? Vous posez les questions et nous également, on va les répercuter au niveau des panélistes pour avoir beaucoup plus d'informations. Permettez-moi de vous présenter les différents panélistes. Encore une fois, au nom de l'Inde Portal, de tous les organisateurs, que je remercie tout d'abord. Il s'agit, et ça c'est un honneur, d'avoir parmi nous le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Michel Digo, et également des agents de sa structure. Je pense à Mme Oumou Kalsoum Poulessek, qui est la directrice de la planification de cette même agence nationale, ANAT, Abdou Karim Ben, qui est le responsable de l'Observatoire national des territoires, toujours à l'agence nationale. Nous aurons également le privilège d'écouter Charles Tom Bayer, qui est le chef de projet du projet Open Update au Sénégal et qui a co-dirigé vraiment le travail sur les données ouvertes au LAN Portal. Il y aura également Natalia Tarfi, qui est la directrice générale de la Charte des données ouvertes, et mon cher docteur Labadi Touré, chercheur Soli Sénégal, qui a contribué à la production de ce rapport du Sénégal. Mais tout d'abord, nous avons le privilège, encore une fois, d'avoir la participation de M. Digo, le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire du Sénégal. Et vu également le problème de temps à ce niveau, nous invitons M. le directeur général à nous faire quelques remarques introductives. C'est vrai, les aspects techniques et beaucoup plus pointus seront abordés par les agents. Je pense à Michel Ben, je pense à Oumou. Donc, M. le directeur général va nous faire
des remarques introductives générales pour nous donner beaucoup plus de visibilité par rapport au débat du jour. Monsieur Diego, si vous êtes disponible, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. Allez-y, directeur général. Chers, j'ai une petite note introductive en fait au webinaire sur l'état de l'information territoriale au Sénégal. Je m'appelle Mamoudou Diego, je suis le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, par ailleurs ingénieur aménageur et développeur de territoire. Je vous remercie infiniment, je remercie l'ANPORTAL pour sa collaboration avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire dans le cadre de ce webinaire et toutes les personnes aussi qui sont présentes dans ce panel, y compris mon cher ami M. Labali Touré. Pour rappel, le plan national d'aménagement et développement territorial du Sénégal, validé par son excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, lors du conseil présidentiel tenu le 24 janvier 2020 et approuvé par décret numéro 2022-843 du 12 avril 2022, analyse l'information territoriale en prenant en compte l'information foncière comme déterminante pour une gouvernance. Pour rappel, le foncier occupe une place centrale dans le plan national d'aménagement territorial. En effet, au regard des nouvelles orientations des politiques publiques, la maîtrise de l'information territoriale est une condition obligatoire pour asseoir des politiques territoriales crédibles et porteuses de résultats. L'information est au début et à la fin de l'action territoriale et détermine en grande partie ses chances de succès et de résultats. Au Sénégal, la faible maîtrise de l'information territoriale se traduit, entre autres, par une faible maîtrise des dimensions et de la structuration géographique, une économie parfois confuse et non organisée, une faible maîtrise et partage de l'information géographique, une faible maîtrise des textes de la décentralisation qui se traduit par des confusions dans des missions et des prérogatives, l'absence de système d'information territoriale sur les acteurs et les instances d'évaluation. Compte tenu du rôle et de la place de l'information territoriale et du faible niveau de connaissance des territoires pour orienter les choix d'aménagement, il est nécessaire de promouvoir la production, la mise à jour et le partage de l'information territoriale, notamment foncière. La production de un système apparemment il y a un problème de connexion. Allô? Excusez-moi, ça s'était déconnecté, il me semble. Tout à fait. Allez-y, DG. Voilà. Une attention particulière doit être portée à la normalisation des données et de leurs usages. L'élaboration de schémas départementaux d'aménagement et de développement territorial
Les schémas communaux d'aménagement et de développement territorial va désormais s'accompagner de la mise en place de systèmes d'information géographique. Le renforcement et la décentralisation du système statistique national. Le Sénégal s'est doté d'un système statistique national pour la production de la statistique publique. Ce système regroupe le Conseil national de la statistique, l'Agence nationale de la statistique et la démographie, les services de production et de diffusion de données auprès des départements ministériels, la mise en place du système n'a pas jusqu'ici permis de faciliter l'accès aux données statistiques complètes et fiables pour les utilisateurs. C'est pourquoi il est nécessaire de repenser le système statistique national en associant les collectivités territoriales dans la production des données statistiques, afin d'assurer une meilleure couverture géographique des opérations de collecte et par conséquent de disposer des données complètes et fiables. La mise en place d'un système juridique approprié, de mutualisation, de partage et l'usage de l'information territoriale. L'accès à l'information territoriale n'est pas aisé pour tous les utilisateurs. C'est pourquoi il est utile de mettre en place un cadre juridique approprié pour le partage et l'usage de l'information. Cela peut se traduire d'une part par la mise en place d'une plateforme unique permettant de faire remonter l'information utile avec une standardisation des formats de collecte et de synthèse. D'autre part, il s'agira de faciliter un accès réglementaire à l'information selon les besoins de chaque utilisateur. Réglementation et uniformisation de la toponymie. Il est prévu de mettre en place une commission nationale de toponymie chargée de réglementer et d'uniformiser la transcription des noms des lieux, mais aussi d'élaborer et de mettre en œuvre un système de dénomination des entités territoriales à l'échelle du territoire national pour uniformiser la transcription des noms des lieux. Surtout, la Commission nationale de toponymie est prévue par un décret d'application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. La loi votée depuis le 12 janvier 2021. La mise en place d'un système d'adressage uniformisé à l'échelle nationale. L'adressage permet de réaliser le plan d'un établissement humain le système de recensement de tous les habitants, la construction des équipements associés à une adresse localisable permet de disposer de toute information relative à l'occupation de l'espace, les équipements urbains, les bâtiments publics, mais également surtout les personnes et entreprises soumises à l'impôt et aux taxes, de mieux définir l'assiette fiscale et ensuite conduire les opérations de recouvrement. Un processus de mise en place de l'adressage national est en cours sous l'égide du ministère en charge des télécommunications. La mise en place de l'Observatoire national des territoires, l'ONT est chargé de collecter et de diffuser l'information sur le territoire et concourt au suivi et à l'évaluation des politiques d'aménagement et de développement des territoires, constitue un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du territoire. L'ONT est institutionnalisé par la loi numéro 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires en son article 30 et est validé en Conseil des ministres du 6 août 2022. La plateforme numérique de l'ONT est une application cartographique web interactive qui sera accessible au public. Il comporte toutes les cartes de diagnostic, d'analyse et de prospective réalisées. Dans ce cadre, l'élaboration du PNADT et l'offre de fonctionnalités suivantes. La cartographie dynamique des indicateurs de suivi du PNADT.
l'exécution de requêtes à des fins d'analyse spatiale, le téléchargement de cartes et de données. Ce dispositif contribue à donner un nouveau souffle à l'aménagement du territoire parce qu'accompagnant le processus d'octroi du visa de localisation, décret numéro 1088 du 5 mai 2022 pour une cohérence dans l'occupation de l'espace. C'est une sorte de, comment on l'appelle, c'est une sorte de certificat de cohérence territoriale. Les perspectives, l'ANAD est soit initiatrice, soit impliquée dans chacune de ces actions préconisées. J'accorde une attention particulière au suivi de la mise en œuvre de ces actions. Nous nous engageons auprès de l'ANPORTAL pour poursuivre la réflexion. Je souhaite plein succès au webinaire et souhaite des échanges fructueux à tous les participants. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci DG, merci beaucoup de nous avoir fait cette revue assez exhaustive. Vraiment, nous saluons cette bonne visibilité que vous venez de nous donner, surtout par rapport aux documents de cadrage, aussi bien juridique que technique. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que vous avez dit que l'information est au début et à la fin pour une réussite des politiques publiques, afin que celles-ci soient viables. Voilà tout l'intérêt de l'information, surtout de l'information foncière. C'est pourquoi vous avez également passé en revue tous les manquements en lien avec la faible maîtrise de l'information et surtout les actions à préconiser pour une production, une mise à jour de cette information territoriale. Encore un grand merci, DG. Nous reviendrons tout de suite dans les échanges, les discussions. Alors, DG, c'est le DG. Je l'ai laissé prendre le temps qu'il faut. Maintenant, pour les autres panélistes, il faut être un peu rigoureux sur le temps. Je crois que 5 à 7 minutes, c'est assez raisonnable cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si Charles Tom est bien connecté. Charles, vous avez dirigé les travaux du portail foncier sur la compréhension de l'état des données foncières et vous avez récemment publié les résultats pour le Sénégal. Pouvez-vous nous parler un peu de toutes ces expériences? Qu'est-ce que vous avez surtout retenu dans l'expérience du Sénégal? Charles, est-ce que vous êtes bien connecté? Yes, I am. Thank you, Kader. And thank you also for the remarks by the. Oui, je suis bien connecté et merci pour les remarques. Je pense que ça a été très intéressant et surtout de voir tout ce qui se passe au Sénégal en ce moment, les décisions qui sont là et pourquoi le gouvernement agit ainsi. Donc, on est très content. Donc, laissez-moi introduire en fait, voir en fait les résultats. Et voir tout ce qui est disponible sur le portail et dans le portal. Et pouvoir aller plus en profondeur dans les résultats. Alors, pour ce qui est d'une gouvernance foncière responsable, en fait, le problème qu'il y a dans beaucoup de pays, c'est comment s'occuper de la gouvernance foncière et de toutes les ressources qui sont liés. En fait, la réponse pour une gouvernance foncière, c'est ce qu'on utilise en tant que manière plus démocratique pour éviter les conséquences négatives. En fait, pour avoir une meilleure gouvernance foncière, on veut pouvoir avoir un accès libre aux données. C'est crucial. Pour avoir des données
relié aux foncières et renforcer le flot d'informations depuis toutes les perspectives et à tous les niveaux. Et je pense que ça peut résoudre certains des problèmes et rendre la gouvernance foncière plus démocratique, plus juste. Et en fait, le guide ouvert, le guide Open Up, c'est une des solutions et c'est une des parties de la réponse qu'on apporte. En fait, le processus qu'il y a au Sénégal en ce moment, qu'on a vu, en fait, les écosystèmes et l'évaluation de les données et toutes ces données au Sénégal pour tout ce qui est de l'environnement de la mer. Pour le Sénégal, et voir comment toutes les données foncières sont gérées. Je pense, en fait, si on voit le schéma des données foncières ouvert au Sénégal, il y a un schéma très facile. Ça inclut les applications internationales que le Sénégal a, les textes constitutionnels au niveau d'instruments internationaux. Le Sénégal a déjà signé plusieurs textes au niveau international, incluant un accès libre des lois, et ça fait partie, en fait, en 2023, il y a un traité de libre données au Sénégal. Est-ce que ça peut servir toujours en tant que données libres? C'est une zone où le Sénégal est toujours un petit peu en retard. Donc, le Sénégal a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, qui donne en fait l'information comme un droit. Et ça nous donne accès à de solides bases de données pour le Sénégal. Et en fait, ce serait aussi, est-ce que les critères de données ouverts, est-ce que les données sont ouvertes avec six critères le développement foncier, le développement de la valeur foncière, entre autres. Et le schéma foncier. C'est ce qu'attendent les gens pour le développement. Et vous pouvez noter ici qu'en évaluant les données, si on voit toutes les données qui sont publiques, on voit 10 composantes. En fait, pour toutes les données, les 10 qui sont en ligne, il y en a une qu'on veut voir. Dans un nombre de, par exemple, tous les pays qui publient des données, en fait, le fait de la rendre disponible en ligne, c'est pas pareil que de dire qu'elle est disponible en open data. Quelle est, par exemple, la licence? Est-ce que c'est compréhensible, les données? Est-ce que c'est téléchargeable? Et tous ces critères réunis, ça, c'est la open up, données open ouvert. Il y a certaines données qui pourraient être disponibles et qui sont en ligne, mais qu'on ne considère pas forcément comme totalement libres de droit. Si vous regardez ce graphique,
on voit que les données libres de droit et en fait sont en partie ouvertes. Pourquoi les données foncières ou les données de développement foncier ou celles de plans de développement elles sont disponibles que sur un site, elles sont disponibles qu'en PDF, donc ce n'est pas totalement libre, totalement ouvert. En termes de tenue foncière de données, on ne peut pas dire qu'il y a des données disponibles. Et ce n'est pas libre ni en ligne. Oui, ça existe de manière digitale au niveau des agences gouvernementales. Mais il y a des processus qui sont en cours pour faire en sorte que ces données soient plus accessibles. Et j'aimerais conclure en disant que, en regardant les données et leur cours au Sénégal, on peut faire voilà, ce guide ouvert OpenApp et choisir ces catégories de données qui pourraient être plus accessibles. En fait, il s'agit juste de petites questions techniques sur la plupart des cas. Et de quelle manière ça pourrait aider le Sénégal? Donc, je voudrais vous laisser bientôt la parole, Kader. Et il y a en fait quelque chose de très intéressant dans les données ouvertes au Sénégal. Il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits au niveau de mettre les données en ligne disponibles. Si vous voyez les schémas, on voit qu'il y a beaucoup de capacités au Sénégal. Et donc, merci beaucoup, Kader. Un grand merci de ce tour d'horizon. C'est vrai, a priori, nous retenons que les données foncières au Sénégal sont peu ouvertes, mais au moins, il y a beaucoup de lueurs d'espoir. J'ai suivi un peu cette présentation. Je vois déjà qu'il y a une volonté et une bonne capacité d'ouverture. Je vois également que des progrès sont en train d'être faits avec l'introduction de beaucoup de données dans les plateformes accessibles au public. Et surtout, ce que vous avez dit et que le DG de l'ANAT également avait déjà annoncé, c'est qu'au Sénégal, nous avons un projet de loi qui est en cours de préparation sur l'accès à l'information. Donc vraiment, tout ça constitue pour moi une lueur d'espoir pour améliorer l'accessibilité des informations et toutes les données foncières en général. De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ça. Je vois déjà beaucoup de questions qui commencent à tomber. Donc, pour gagner du temps encore, je me tourne vers Oumou et Abdou. Étant donné vos expériences respectives, chers Oumou et Abdou, avec les données foncières au Sénégal, mais comment les résultats correspondent-ils à votre compréhension de la situation au Sénégal? Et qu'est-ce que cela signifie pour le Sénégal afin que l'accessibilité soit plus garantie aux citoyens en général? Donc, c'est un peu pour dire comment partagez-vous les résultats de cette étude qui vient d'être publiée. Oumou Abdou, vous êtes bien en ligne? Oui, on est en ligne, nous sommes en ligne. Voilà. Oumou, merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup, mon cher Kader. Je salue Monsieur le Directeur Général de l'ANAL, Monsieur Digo. Je salue tous les panélistes et tous les participants à cet important webinaire. Donc, merci pour la question, Kader, et merci aussi à Karl pour la présentation qui est très pertinente et exhaustive par rapport à la situation du partage des données foncières au niveau du Sénégal. Effectivement, comme il l'a fait ressortir dans l'étude, en matière d'aménagement du territoire et d'information cartographique, la politique de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire
est une ouverture des données produites par l'agence, donc produites par elle-même. Ces données concernent généralement, c'est relatif aux limites administratives, c'est une relation, les données relatives également à la géodésie et autres données. Maintenant, l'ANAT a la compétence de produire ces données-là, que ce soit des données sur les limites administratives, des données géographiques, des données également sur le réseau géodésique. Une bonne maîtrise des limites administratives, vous le savez, favorise une bonne gouvernance foncière et prévient les conflits fonciers entre acteurs et surtout entre collectivités territoriales. Et cela empêche les collectivités territoriales d'attribuer du foncier qui va au-delà même de leurs limites administratives. Par ailleurs, l'ANAT utilise des données désectorielles. Donc, l'ANAT analyse des données issues des ministères et services sectoriels. Ce sont des données cartographiques sur des limites, sur des réseaux, que ce soit des réseaux terrestres, routes, etc., des réseaux aériens, le transport, par exemple, de l'électricité, ou des réseaux souterrains, le réseau de gaz, etc., des réseaux, comment dirais-je, de l'accès aux télécoms, également des réseaux également des données socio-économiques, accès à l'éducation, la santé, la population, etc. Mais ces données sont la propriété exclusive des organismes qui sont producteurs de ces données-là et sont mises à la disposition de l'ANAT sur la base de conventions. Donc, elles sont stockées dans la base de données de l'ANAT, je pense que mon collègue Abdoukarim va y revenir, mais ne peuvent pas être partagées. Donc, leur partage est régi par, dans le cadre des conventions, par l'autorisation, il faut l'autorisation préalable de ces organismes qui sont producteurs de ces données-là. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place ce cadre juridique dont l'étude a parlé et le DG est revenu amplement, d'un cadre juridique approprié pour le partage et l'usage de l'information. Et c'est cela qui permettra de définir les conditions d'utilisation, le respect des droits d'auteur auxquels seront soumis tous les utilisateurs pour une bonne gouvernance foncière, une bonne maîtrise de l'information territoriale. Voilà, M. Kader, je pense que c'est assez succinct par rapport à la réponse à la question. Merci. Merci beaucoup, Oumou. C'est assez succinct, mais c'est assez illustratif parce que c'est une différence de taille qui vient d'être portée à la connaissance de tout le monde. La différence entre les données produites par l'ANAT, qui sont accessibles en principe, et les données qui ne sont pas produites par ANAT, mais qui sont stockées par ANAT. Donc là, vraiment, c'est la structure qui a généré, qui a produit ces documents qui est responsable s'il faut publier oui ou non. Voilà, ça revient également à la pertinence de cette question, de cette loi sur l'accès à l'information dont parlaient TG et Charles tout de suite. Je crois que Abdou va intervenir dans le même sens. Abdou, qui est le responsable un peu de l'Observatoire national des territoires. Abdou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Kader. Voilà, tu as la parole, Abdou. Merci beaucoup, Kader. Donc, je rejoins Oumou en saluant d'abord le directeur général de l'ANAT, saluant tous les panélistes qui aujourd'hui assistent à ce webinaire ainsi que l'ensemble des participants. Donc, merci Charles pour cette belle présentation qui aujourd'hui reflète un peu notre compréhension, en tout cas, de la situation actuelle du pays. Et les points que je peux noter, c'est que cette analyse aujourd'hui fait ressortir des points positifs, notamment sur le volet aménagement du territoire, où l'ANAT aujourd'hui, comme l'a dit ma collègue, publie ses données. Donc, il y a une nouvelle politique d'ouverture de données qui a été adoptée au niveau de l'ANAT, où toutes les données qui sont produites dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux, les plans nationaux d'aménagement de territoire ou des données géographiques qui sont produites. Donc, toutes ces données aujourd'hui sont disponibles et l'ANAT les rend accessibles. Donc, ces initiatives sont visibles justement avec la mise en place de plateformes de partage de données conçues dans le cadre du plan national de géomatique depuis 2008. Et aujourd'hui, toutes les données géographiques de base produites par l'ANAT sont accessibles sur le portail BaseGéo.
et également notre portail de catalogage des données géorépertoires également conçu afin de pouvoir recenser toutes les données statistiques et géographiques qui sont au niveau du Sénégal. Donc, ces portails aujourd'hui existent bien et sont accessibles. Toutefois, nous notons justement des contraintes et des manquements dans cette nouvelle politique, notamment une faible maîtrise de l'information territoriale. Donc, toutes les structures de l'État qui aujourd'hui produisent des données géographiques n'ont pas adopté cette politique d'ouverture de données, ce qui aujourd'hui fait que dans le portail Basio qui a été conçu, une bonne partie des données produites sont des données de l'ANAT. Donc, l'idée, justement, c'est de pousser les autres structures de l'État à adopter cette nouvelle politique de partage de données afin de pouvoir alimenter cette plateforme et rendre la donnée accessible à l'ensemble des acteurs. Un autre point négatif également que nous notons, c'est l'absence de système d'information territoriale au niveau des collectivités territoriales, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de collecter la donnée directement au niveau des communes afin de pouvoir remonter au niveau central et ainsi permettre à l'État de prendre des décisions. Donc aujourd'hui, si on a des systèmes d'information territoriaux au niveau de ces communes, des collectivités territoriales, cela permettra de pouvoir justement agréger toute cette masse d'informations et de pouvoir les traiter au niveau de l'administration centrale. Maintenant, pour combler tout ce gap, tous ces manquements, l'État justement est en train de mettre en place des mécanismes pour combler cela, notamment la mise en place de l'Observatoire national des territoires, qui aujourd'hui est un cadre global et réglementaire devant faciliter cette collecte, ce partage et cette maîtrise de l'information territoriale. Je pense que nous pourrions revenir beaucoup plus en détail sur les missions de l'Observatoire au cours des échanges de ce webinaire. C'est juste ces points introductifs que je voulais tenir suite à la présentation de Charles sur la situation des données foncières au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. C'est encore une note d'espoir. L'état des lieux est là. Il n'est pas très reluisant parce que comme l'a fait sortir l'étude, c'est peu reluisant par rapport à l'accès des informations, des données en général, des données foncières au public. Mais je vois toujours une note d'espoir. Voilà, l'Observatoire sera mis en place et entre autres missions, il va contribuer à la publication, à l'accessibilité de toutes ces informations et données foncières à travers notamment des portails, etc., etc. Merci beaucoup, Abdou, de cette présentation très importante. Je me tourne vers Nati. Nati, pourquoi la mesure de l'ouverture est-elle importante et comment les parties prenantes doivent-elles interpréter cette mesure pour l'améliorer à l'avenir? Nati? Thank you very much, Kader. Here I am. And thanks everybody who put it together this seminar. Merci Kader, j'y suis, et merci à tous ceux qui viennent à ce webinaire. Donc, comprendre l'état des lieux d'un gouvernement en matière d'ouverture est très important pour créer une politique de données qui vraiment comble ce qui manque. On a travaillé avec des instruments sur des différents aspects autour du monde. Et quand nous avons réalisé ces analyses de données dans le monde entier, nous avons vu que souvent, il y avait plus de données digitales de ce qu'on pensait. Le problème, c'est que ce n'est pas accessible. C'est-à-dire ce que Tommy vient d'expliquer. Les données sont digitalisées, mais les données ne sont pas partagées avec les citoyens. Alors, on pense que les données peuvent être rendues accessibles assez vite. Nous avons trouvé que comprendre, avoir une image des catégories de données et des gouvernements qui créent les données est très important pour des différentes choses. D'une part, n'importe quelle politique de données doit inclure une approche participative. C'est très important de comprendre les différents départements de l'État qui créent les données, parce que normalement, ce n'est pas juste un bureau. Il y a plusieurs départements qui sont créés par des différents ministères et ça pourrait aider avec la compréhension des données foncières.
c'est aussi important de connecter avec les utilisateurs pour comprendre les maisons. On sait que ce n'est pas facile d'ouvrir et de rendre accessibles les données. Ça coûte de l'argent, ça coûte des ressources humaines. Alors, du côté des données, la politique des données est très importante. Une fois qu'on commence à ouvrir les données, le gouvernement répond aux demandes des données. Et c'est sûr que ces données vont être réutilisées parce que ce n'est pas assez de juste rendre accessibles ces données. Le gouvernement doit connecter les données avec les gens aussi. Alors, c'est pour ça que quand on parle de la politique des données ouvertes, il faut garantir sa réutilisation. Il faut prioriser la participation autour de ces données. Une autre chose qu'on a découvert pendant la création du guide OpenOp, surtout au Sénégal dans ce cas, on a trouvé que dans cet exercice de créer les catégories de données, de les analyser, on crée une interopérabilité, c'est-à-dire on crée des liens entre des acteurs qui ne se parlaient pas avant. Alors, créer cette communauté autour des données ouvertes peut aider à développer la politique de données et peut aider avec la publication et aussi avec la réutilisation, c'est-à-dire connecter les gens qui travaillent dans ces domaines. Ça, c'est une partie très importante de la politique des données. C'est pour ça que cette image qu'on obtient après la surveillance des données est très importante. On a créé un forum multi-acteurs autour de cette politique des données ouvertes. Merci beaucoup. Un grand merci, Nathalie, de ces informations très importantes. Parce que d'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit de satisfaire le droit à l'information d'abord, plus simplement possible, mais surtout de dresser l'état des lieux dans chaque pays, parce que avant de parler de nouvelles politiques publiques pour améliorer l'ouverture des données, il faut d'abord se baser sur l'existant, sur l'état des lieux. Donc, ces études pareilles permettent effectivement de dresser d'abord l'état des lieux. L'autre intérêt que tu as soulevé, c'est que ça permet, comme ça se fait dans beaucoup de pays, ça permet un partage d'expériences et chacun pourra apprendre de l'autre. Donc, ça permet une amélioration mutuelle. Merci beaucoup, Nati, de cette importante présentation. Je me tourne vers Labani, cher docteur. Mais docteur, compte tenu des initiatives sur l'Open Data au Sénégal, notamment celle du gouvernement et de l'OGP, quelle est l'importance des données foncières ouvertes pour les chercheurs et la société civile plus particulièrement? Et comment les données foncières ouvertes peuvent-elles devenir une priorité du gouvernement pour soutenir la prestation de services en général? Je vous pose la question parce que vous êtes chercheur, vous êtes de la société civile, donc je crois que j'ai frappé à la bonne porte. Docteur, je te donne la parole. Mais merci beaucoup, cher grand frère Kader. Bonjour à tous. Je suis ravi de faire partie de ce panel et aussi en tant que co-auteur du rapport State of Land Information du Sénégal. Je suis très heureux de partager ce panel avec les autres. La question elle est très importante et je pense qu'au Sénégal, je dis souvent, le problème, ce n'est pas la production des données, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les dispositifs. Il en existe beaucoup. J'ai eu la chance de suivre le PNG à travers les GICC. On a mis en place des cadres qui ont comme but d'harmoniser, mais aussi de mutualiser et de faire travailler les gens autour des données, quel que soit leur format. Le GICC a mis en place les plateformes que vient de citer mon co-panéliste tout à l'heure, à travers le géo-répertoire et le bas géo. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a des débuts d'initiatives, mais on ne va jamais jusqu'au bout de nos initiatives. Et c'est tout le problème que moi, j'ai noté, en tout cas, de mon regard de chercheur. Les données ouvertes sont fondamentales, en tout cas, pour la recherche. Quand je parle de données foncières, je parle surtout des données, quelles que soient les thématiques. Parce que le foncier est à la fois abordé par plusieurs chercheurs, plusieurs disciplines, qu'on soit sociologue, géographe, juriste, économiste, et j'en passe.
Chacun de nous aborde la question foncière sur un aspect de son champ disciplinaire. Par contre, là où on galère beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait, par qui, comment et comment y accéder sur les questions foncières. Des rapports, on en trouve beaucoup, mais quel format encore, souvent en PDF, et quel PDF encore? Des données également, on en trouve en pagaille, mais quelles données encore? Les données souvent qu'on ne peut plus traiter encore. Donc, du coup, les données existent, mais à un faible niveau de partage et à un faible accès. Ce qui fait que pour les chercheurs et la société civile qui ont aussi le droit d'accès aux données pour à la fois les améliorer, mais également les rendre encore plus en fait de l'information. Parce qu'il faut distinguer deux choses, la donnée foncière et l'information foncière. La donnée, c'est le but, mais ce qu'on fait après, c'est l'information, et c'est ça qui va aider à la décision. Les chercheurs ou la société civile aujourd'hui peuvent aider à travers des outils, des documents de planification, aider à porter les plaidoyers, mais aider également à mettre en place des politiques publiques qui sont basées sur des données qui sont fiables, des données réelles. Et c'est là où aujourd'hui, je pense qu'il y a des enjeux à réfléchir, à réinventer. Comment est-ce qu'aujourd'hui les données produites par les différentes structures peuvent-elles être accessibles aux communautés au pluriel pour qu'elles puissent les utiliser, mais également les réutiliser surtout sous des formats et des standards qui vont permettre d'aboutir à des informations qui vont aider à la décision. Le foncier au Sénégal, on le sait tous, la plupart des rapports qu'on va avoir sont faits par la recherche et la société civile. C'est eux d'ailleurs les grands acteurs du foncier aujourd'hui au Sénégal. Et c'est dommage que ces acteurs-là souvent ont accès aux données, mais pas celles qui sont les plus fondamentales et à des échelles, que ce soit nationales, intermédiaires ou locales. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas avec ce regard, le recul que je peux en avoir, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité qu'au Sénégal, qu'on essaie de réinventer la roue est déjà là, mais de voir les mécanismes qu'on a mis en place qui ont comme enjeu de rendre accessible la donnée, n'ont-elles pas marché? On peut faire des millions de plateformes, mais elles ne servent à rien si les hommes qui les portent ne sont pas conscients de l'enjeu du partage des données à une plus grande masse. On parle de open data. À quoi sert d'avoir un projet de milliards qui a des données qui sont stockées et qui vieillissent sans même qu'on y ait accès? Alors qu'à un moment, la recherche et la société civile peuvent les réutiliser pour inventer d'autres projets, pour résoudre des problèmes, pour aider à décider, pour aider à solutionner des problématiques foncières à l'échelle locale, à l'échelle nationale et même à l'échelle départementale. Donc, pour terminer, cher Kader, moi, je pense qu'au Sénégal, en tout cas, les lois, ce n'est pas ça qui fait défaut. Les dispositifs également existent en quantité, mais c'est l'accès aux données ainsi que le format. Pourquoi je nécessite le format des données? Parce que les données, les partager, c'est une chose. Hein. Les rendre accessibles également, c'est une chose. Mais sous quel format on le fait? Est-ce que le format PDF a la même valeur qu'un format Excel, qu'un format GeoJSON, qu'un format Shapefile? Quelle possibilité donnons-nous à celui à qui on le partage de la réutiliser, quoi? C'est ça les vraies questions. Et c'est ça que le GICC a eu à régler en partie à travers les plateformes qu'on connaît tous. Mais malheureusement, il demeure encore une mutualisation à grande échelle, mais aussi les mises à jour des données. Une donnée, elle évolue, on doit la mettre à jour. C'est là où la recherche et la société civile, si elles ont accès aux données ouvertes, ça va permettre de produire plus d'informations sur le foncier au Sénégal. Voilà ce que j'avais comme réponse, cher Kader, par rapport à cette question. Merci beaucoup, Lavalie. C'est vraiment un homme de terrain qui parle, qui a fait le tour. Mais moi, je vois une constante. C'est ce qui revient toujours dans les différentes interventions, c'est qu'il y a un faible accès aux données foncières. Ça, c'est le principe global que nous pouvons retenir. Mais dans toutes les interventions, je vois également que quand même, malgré ça, il y a des mécanismes, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et l'accès aux données, pour reprendre ça de Lavalie, transformer la donnée en information foncière, c'est capital, aussi bien pour les organisations de la société civile en termes de préparation de leur argumentaire par rapport au plaidoyer, mais également pour les décideurs publics en vue d'améliorer les politiques publiques en cours.
Merci beaucoup, docteur. Alors, il y a beaucoup de questions. On est en train de prendre les questions, mais je voudrais d'abord, dans un deuxième round de questions, revenir un peu à Oumou. Oumou, quels sont les progrès réalisés par le Sénégal dans l'ouverture des données foncières en particulier? C'est vrai, hein, comme j'ai dit tout de suite, le principe qui revient toujours, c'est le difficile accès, le difficile accès. Mais est-ce qu'il y a des progrès qui sont réalisés par le Sénégal dans l'ouverture des données foncières en particulier? Et qui voyez-vous au Sénégal comme utilisateur ou futur utilisateur probable de ces données foncières ouvertes au Sénégal? Merci beaucoup, Kader. Je pense que cette question a été partiellement abordée par le docteur Labalé Touré parce qu'il a rappelé l'excellente initiative du gouvernement du Sénégal, de l'État du Sénégal entre 2008 et 2009 avec la mise en place du plan national de géomatique PNG. Et ce plan national de géomatique était le fruit d'un partenariat avec l'ensemble des producteurs de données géospatiales, notamment foncières. Maintenant, le problème, comme il l'a dit, c'était le respect des engagements qui avaient été pris par ceux qui ont souscrit à ce plan national géomatique. Parce que le plan national devrait permettre de mettre en place l'infrastructure de données géospatiales du Sénégal pour servir d'outils stratégiques et favoriser la maîtrise des ressources territoriales, le partage des connaissances et, partant, optimiser le développement du territoire. Parce que c'est un processus et tout est lié. Maintenant, pour accompagner ce processus, il fallait mettre un cadre. Un cadre, c'est le GICC. Mon collègue Karim y est revenu tout à l'heure. Et l'ANAT est impliquée dans ce GICC et d'autres structures productrices de données, notamment CENEM, le Centre de suivi écologique, beaucoup de partenaires, le CADAS, etc., etc. Et ça devrait permettre d'impulser plusieurs initiatives pour accroître de manière considérable l'utilisation de l'information. Donc, en plus de la donnée, il faut que l'information soit partagée dans tous les secteurs d'activité. Et partant de cela, Karim l'a rappelé tout à l'heure, il y a un géoportail de partage de données. Aujourd'hui, il est accessible. Il y a même un lien au niveau du site de l'ANAT, www.anat.sn. Et ce géoportail obéit au principe que j'ai énoncé tout à l'heure, notamment le partage de données exclusivement produites par l'ANAT. Et ça devait être la même chose pour l'ANSD et d'autres structures produisent de données. Maintenant, les décideurs, les services techniques de l'État sont les premiers utilisateurs de ces données-là. Donc, parce que la bonne maîtrise de ces données permet de faire une bonne planification économique, permet de faire une prospective territoriale et permet également de faire une planification sociale. Les collectivités territoriales également aussi ont un grand intérêt pour ces données-là. N'oublions pas qu'avec l'octroi de la décentralisation, les collectivités territoriales responsabilisées dans la gestion foncière et de la gestion territoriale. Cela leur permettrait d'assurer une bonne gouvernance foncière, une bonne gouvernance territoriale. Ces données sont nécessaires dans le cadre de l'élaboration de documents de planification territoriale. Aujourd'hui, à l'ANAD, nous sommes en train de mener l'élaboration de schémas communaux d'aménagement et développement territorial au niveau des communes et de schémas départementaux d'aménagement et développement territorial. Et à la fin, il est prévu de mettre en place des systèmes d'information territoriale pour ces collectivités territoriales-là. Cela leur permet de faire une bonne planification et aussi de maîtriser la gouvernance foncière par rapport aux compétences qui leur sont transférées. Maintenant, le secteur privé également, la société civile, les chercheurs, les universités sont autant d'acteurs à qui l'ouverture des données foncières et territoriales est bénéfique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut encadrer tout cela pour voir à quel niveau chaque acteur peut avoir accès à ces données-là, à ces informations-là, et quel est le système de partage et quel est le format également de partage de ces données par rapport à l'utilisation qui va en être faite. Voilà, Kader, les informations. Merci. Merci beaucoup, Oumou. Je vois, hein,
apparemment, toutes les parties prenantes sont intéressées et sont concernées par les données foncières. Et vous avez fait de tout, hein, que ce soit l'État lui-même, les collectivités territoriales, les membres de l'État, le secteur privé, la société civile, les chercheurs, les universitaires, etc. etc. Mais bon, c'est vrai, hein, toujours, que ce soit les chercheurs, les consultants de la société civile, le problème qui revient très souvent, c'est les problèmes d'accès à l'information. Ça, au moins, comme j'ai dit tout de suite, c'est un constat général. Mais quand même, je vois beaucoup de solutions qui sont en cours ou bien qui doivent être évaluées, qui sont déjà mises en place, mais qui doivent être évaluées. Mais merci beaucoup, Oumou. De toute façon, nous reviendrons dans tout ça, puisqu'il y a déjà des questions qui vous intéressent directement. Nous y reviendrons tout de suite. Je reviens vers Charles. Charles, je vois que les discussions sur les données foncières ouvertes au Sénégal continuent de se développer et d'évoluer. Comme j'ai dit tout de suite, on voit parfois l'état des lieux, mais on voit également des annonces, des mécanismes, des structures, des plateformes qui sont soit mises en place ou bien qui doivent être mises en place. Mais avec ce regain d'intérêt pour les données foncières ouvertes, une question clé émerge. Que peut faire de plus le Sénégal pour ouvrir les données à la fois pour le gouvernement et la société civile? Charles. Thank you very much, Kader. Merci beaucoup, Kader. Je pense que Oumou a parlé sur un point important juste avant. Elle a dit que le partage d'informations et des données est un processus. Et moi, je veux emphatiser cela parce que je pense que c'est important et c'est ça que Sénégal doit continuer de faire, de continuer avec ce voyage, ce processus. Je vais vite fait parler de certains points clés que je trouve essentiels. Un, c'est d'utiliser les capacités existantes de données foncières au Sénégal. Anna est là et ça existe et je pense que c'est un bon point de départ, un bon pilier. Le deuxième point, c'est de ne pas collecter plus de données, au contraire, améliorer la qualité des données qui ont déjà été récoltées. On a déjà beaucoup de données qu'on peut rendre plus accessibles, plus ouvertes. Puis, l'amélioration des données spatiales, non seulement statistiques. Ça veut dire libérer certaines données pour qu'ils soient dans des formats prêts pour le GIS. Aussi, utiliser les initiatives existantes sur les sujets agraires ou autres pour faire progresser la conversation sur les données ouvertes au Sénégal pour que les données soient publiques et accessibles depuis le début. Puis, une autre chose qui marche déjà bien est de raffiner les politiques et le contexte légal. Il y a un acte sur la protection de données, il y a une loi en place et ces initiatives qui travaillent dans cette direction doivent continuer. Je pense qu'à la fin de l'année dernière, il y a eu un atelier qui a parlé de ça. Je dis aussi créer un plan pour les données ouvertes d'une manière très spécifique, des pas clés pour le futur. Il faut une très bonne organisation pour libérer une organisation comme ça. Mais réfléchissez à une catégorie de données qui puisse être ouverte. Et puis, s'il y a des choses à combler, il faut l'améliorer, créer des standards. Je pense que c'est un très bon schéma qui a déjà commencé. Je te laisse avec ça, Kader. Merci beaucoup encore une fois. C'est vrai, il y a de l'existant,
il y a des données existantes, il y a des structures existantes. Vous avez cité l'ANAT, Agence nationale pour l'aménagement du territoire. Vous avez cité l'ANSD, hein, Agence nationale des statistiques. Donc, vraiment des mécanismes existants et on est maintenant vraiment dans une phase de formulation, de proposition, d'amélioration de l'existant pour une meilleure couverture de toutes ces données qui sont stockées quelque part et parfois qui sont pas accessibles au grand public. Merci beaucoup encore, Charles. Alors, je crois qu'on est encore dans le timing. Ça marche. Donc, maintenant, Abdou Karim, compte tenu de l'état des données foncières ouvertes au Sénégal et du rôle de l'Observatoire national du territoire, parce qu'on t'a suivi tout de suite sur les attributions et les missions de l'Observatoire, mais où voyez-vous les progrès réalisés pour rendre les données foncières plus ouvertes dans les catégories de données foncières spécifiées? Okay, Karim. Merci Kader pour cette question. Alors, vous savez, concernant l'Observatoire national des territoires, l'État du Sénégal l'a mis en place avec un certain nombre de missions. Et parmi les missions, il y a déjà la première qui est d'être un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du territoire, mais également un outil de collecte, de traitement et de diffusion de l'information territoriale. Donc, l'ONT a été institutionnalisé par une loi. Donc, c'est une loi d'orientation. C'est la loi 2021-04 qui aujourd'hui définit le cadre juridique et réglementaire de cet observatoire. Donc, il y a un décret d'application également qui suit derrière pour définir toutes les missions et l'organisation de l'ONT. Donc, cet ancrage et ce portage institutionnel de haute facture montrent aujourd'hui l'intérêt qu'apporte l'État du Sénégal, qu'accorde l'État du Sénégal à cet observatoire. Donc, c'est un observatoire qui aujourd'hui, de façon juridique et réglementaire, est créé par une loi et un décret du président de la République qui aujourd'hui définit ses missions et son fonctionnement. Donc, je le disais tout à l'heure, sa principale mission est d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en assurant et facilitant la collecte d'informations. Il constitue un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du territoire. Et maintenant, vous savez, tout à l'heure, je pense que M. Labadie Touré l'a rappelé, la difficulté aujourd'hui, c'est une fois que ces plateformes seront mises en ligne, comment faire pour l'alimenter, comment faire pour que ces données soient dynamiques, ces données soient mises à jour. Et pour répondre à cela, dans le cadre de l'élaboration de l'Observatoire, il est prévu de mettre en place ce qu'on appelle des comités régionaux de pilotage dans les 14 régions du Sénégal. Donc, c'est une stratégie bottom-up qui a été choisie afin de pouvoir faciliter la remontée d'informations depuis les régions à travers les services déconcentrés de l'État qui aujourd'hui sont au niveau de ces collectivités et de pouvoir justement remonter ces informations au niveau central afin de pouvoir permettre à l'autorité de prendre des décisions. Et ces comités vont être présidés par les gouverneurs qui seront assistés techniquement par les chefs de service de l'aménagement du territoire et tous les services déconcentrés, que ce soit l'Agence de la statistique, les services du cadastre, les services des domaines, seront aujourd'hui des membres de ces comités régionaux de pilotage afin de faciliter la collecte d'informations sur le terrain et la remontée au niveau central, au niveau de l'État du Sénégal. Donc, parallèlement également, il y a des initiatives qui sont en cours, donc dans le cadre du projet cadastre et sécurisation foncière du Sénégal, il est prévu de mettre en place un observatoire national du foncier. Vous savez, l'ONT aujourd'hui est mis en œuvre dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire qui aujourd'hui est une compétence transversale qui couvre tous les secteurs d'activité de notre économie. Donc, l'objectif de l'ONF est aujourd'hui de se focaliser sur le foncier et d'assurer justement toute cette collecte, cette maîtrise de l'information foncière afin de permettre à l'État du Sénégal d'avoir une bonne politique foncière. Donc, voilà aujourd'hui, en tout cas, le cadre juridique global et réglementaire de l'Observatoire et le rôle qu'il pourrait en tout cas apporter à soit une bonne politique d'ouverture des données
au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou. Donc, je vois que l'Observatoire va faire un balayage national pour collecter tout ce qui est en lien avec l'information territoriale pour une remontée au niveau central. Donc, c'est un outil de collecte, hein, comme tu l'as dit, de traitement. Mais ce que je retiens surtout, c'est après collecte et traitement, c'est également un outil de diffusion de l'information territoriale. Et ça veut tout dire par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'Observatoire va contribuer également à l'accessibilité des données foncières. Merci beaucoup, Karim. Je reviens vers Nati. Nati, tu es là? Yes, here I am. OK. Nati, oui, je suis là. À l'avant-garde du mouvement d'ouverture des données en faveur d'une meilleure équité. Mais de quelle manière l'état de la recherche sur l'information foncière et ses résultats sur les données foncières contribuent-ils ou peuvent-ils contribuer à améliorer l'équité dans le secteur des données foncières? Et ça également, ça fait partie des politiques publiques actuellement au Sénégal, tout ce qui est en lien avec l'équité territoriale. Donc, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Nati? Thank you very much for that question. Merci beaucoup pour cette question. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne savez pas. Donc, prendre de... Open data can help promote informed participation of citizens and better understand the challenges that they are facing. Open data is also critical to promote accountability so that citizens can actually understand what governments are doing and the public policies that are being implemented. Ce que les gouvernements font, les politiques publiques qu'on met en place dans ce sens-là. Mais en fait, pour débloquer la capacité des gouvernements, la capacité des données seront essentielles pour que tout le monde puisse vraiment comprendre et utiliser les données publiées et que ça ne soit toujours des personnes techniques, les personnes qui doivent réutiliser les données. La réutilisation des données est essentielle pour la vie des données. Donc, comprendre cette exigence est essentielle. Et puis, je voulais relier ce processus avec ce que disait Tommy pour le futur, pour l'avenir. Quand je pense à Sénégal, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire et heureusement, tout le monde est en train de travailler. Mais l'idée, c'est de connecter ce processus avec le processus OGP pour que ça soit vraiment participatoire, de co-création entre le gouvernement et la société civile et qu'il y ait aussi un engagement international pour travailler ensemble sur cet agenda, reliant la création des données avec la réutilisation des données en promouvant le renforcement de la communauté de création de données au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nati. Je crois que c'est assez clair. Avec cette dimension équité, vraiment, il faut disposer de données foncières, aider à prendre des décisions éclairées pour changer la réalité à une réalité plus égalitaire. Enfin, je crois que c'est assez clair et facile à comprendre. Labali. Allô, Labali? Oui, Kader. OK. Mais Labali, maintenant, en tant qu'universitaire et naturellement défenseur des données ouvertes, qui pourrait bénéficier de la recherche sur l'état de l'information foncière et comment peut-elle être appliquée pour comprendre et faire progresser l'écosystème des données foncières. Et ça, c'est vraiment fondamental en matière d'accessibilité de l'information foncière, la vallée. Mais je pense que déjà, le panel d'aujourd'hui est un début de solution déjà. Pour moi, aujourd'hui, des rencontres comme ça sont extrêmement importantes parce que sensibiliser les gens sur l'importance des données foncières est un acte majeur. Parce que les gens, souvent, c'est par ignorance souvent qu'ils ne sont pas prêts à partager les données. Mais par une pédagogie douce, mais également intelligente,
On peut arriver à travers des mécanismes mis en place par des structures au niveau à plusieurs échelles, hein, mettre en place des politiques qui permettent l'ouverture des données et leur accès. Et la recherche aujourd'hui, comme je dis, la recherche ou la société civile aujourd'hui produit des données. Mais chacun le garde souvent, pensant que c'est en le gardant qu'elle va être riche. On oublie que la donnée, plus elle est partagée, plus elle s'enrichit et plus elle profite aux autres. Je suis d'accord, il y a des éléments qu'on ne peut pas partager. Mais ce qu'on parle, on parle de données foncières assez générales, mais parfois très, très précises, quoi, qui ne touchent pas les données personnelles. Hein. C'est deux choses complètement différentes, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le partage des données foncières, leur ouverture, va permettre à un ensemble d'acteurs aujourd'hui, quoi, qu'ensemble, qu'on puisse évoluer avec des données fiables, quoi. Parce que les politiques publiques nécessitent des données à une échelle précise, quoi. Si on ne peut pas décider sur des territoires si on ne maîtrise pas les données foncières à une échelle fine. Aujourd'hui, dans les milieux, dans un village, on est à une échelle vraiment réduite sur le plan spatial. Des données à une échelle grande ne vont pas aider à décider. Donc, chaque territoire a besoin de données à des échelles précises. Et c'est là aujourd'hui, les données foncières ouvertes vont permettre aux acteurs, chercheurs, sur les civils, pour pouvoir améliorer, mais également renforcer. Mais je profite de ça, cher Kader, pour parler également du secteur privé. Parce que les secteurs de l'État produisent des données à un certain niveau. Mais de plus en plus, on voit l'émergence de structures privées à différentes échelles qui produisent de manière assez régulière des données souvent qui ne sont pas prises en compte dans ce qu'on est en train de mettre. Nos données privées, données ouvertes, n'est pas forcément dit données par les services publics. Hein. On parle de plusieurs catégories d'acteurs qui en produisent. On parle de producteurs de données pour un accès, mais avec des droits qui sont assez réduits. Et c'est là où je pense aujourd'hui, quand je prends le cas du foncier dans les communes aujourd'hui, tous les rapports, toutes les données qui ont été faites, collectées, quel usage on en fait, comment on accède. Et pourtant, au même moment, il suffisait que la recherche ait accès à ces données pour qu'aujourd'hui, qu'on aide même les projets en cours à aller de l'avant plus vite. Ça éviterait qu'on perde du temps à refaire les mêmes choses dans des différents projets avec des actions qui sont pratiquement similaires, mais qui sont aussi décalées dans le temps. Donc, ces pertes de temps et de répétition dans l'espace qu'on fait sont dues au fait qu'on ne capitalise pas ce qu'on a eu à faire, parce que chacun part avec ce qu'il a et chacun garde de manière secrète ce qu'il a, oubliant que partager, c'est s'enrichir. Partager, c'est améliorer. Partager, c'est aider à décider. Partager, c'est aussi donner la possibilité à l'autre de faire de ta donnée tout ce que tu n'as pas pu en faire. C'est là où il y a l'enjeu dans la communication, dans le partage, mais également à montrer aux gens que la donnée, c'est du brut. L'information, c'est le dérivé. Et pour décider, il faut de l'information. Pour aider nos décideurs, nos États, on doit aider à avoir des données fiables, assez précises. Donc pour moi, la recherche aujourd'hui, le secteur de la société civile, le secteur privé, et l'État, en tant que producteur de données, doivent aujourd'hui continuer à sensibiliser, continuer à montrer l'enjeu, l'importance des données ouvertes. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont en avance par rapport à ces questions-là. Surtout que les données, souvent, sont déjà disponibles, quoi, mais elles ne sont pas partagées. Les standards de collecte sont très différents. Chacun collecte selon son standard qui lui plaît. La politique de données n'est pas prise en compte à l'amont du projet, mais on l'intègre à la fin du projet. Alors que la politique de données est un élément déterminant, à mon avis, dans tout projet qui démarre, surtout les projets fonciers. Donc, c'est, pour moi, c'est des rencontres comme ça, des rencontres, dialogues, des sensibilisations avec les acteurs concernés qu'on va arriver à faire émerger au Sénégal une société civile, mais une conscience de données ouvertes qui va profiter à tous. Parce que nous en produisons et c'est bon que nous soyons tous conscients de leur enjeu en termes d'ouverture. Merci, cher Kader. Mais merci beaucoup, docteur. Moi, je retiens deux leçons de tout ce que tu viens de dire. La première, c'est que l'information peut être disponible sans être accessible. La deuxième leçon, c'est que quand on partage, on s'enrichit. Voilà, ça, c'est vraiment deux grands enseignements que je tire. Effectivement, si l'information n'est pas partagée, nous constatons beaucoup de pertes de temps,
des gens qui font la même chose alors que c'était déjà fait. L'information est disponible quelque part, mais elle n'est pas accessible et tu essaies de recréer la roue. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point, Labaline. Merci beaucoup. Alors, donc, j'entame le troisième round avec Oumu. Dans le tour précédent, on a discuté de la question de savoir pour qui les données couvertes sont censées fonctionner. Permettez-moi maintenant de demander à quel but, quel objectif les données françaises couvertes peuvent servir. Je vais commencer avec ma chère Oumu sur les façons dont les données foncières couvertes peuvent contribuer à l'atténuation des problèmes de gouvernance foncière au Sénégal. Vous avez cité tout de suite les conflits fonciers et pour éviter les conflits fonciers, entre autres solutions, c'était justement l'accessibilité aux données. N'est-ce pas, Oumu? Oui, tout à fait, mon cher ami Kader. I'm sorry to interrupt here. I just quickly want to say I've been informed by the technical support group. Je suis désolé, je crois qu'on a eu un problème au niveau technique. Une minute et demie pour trouver la déclaration. Donc, je vais vous laisser vous en occuper. Merci. Oui, d'accord, très très rapidement. Donc, pour répondre à la question, les ouvertures de données permettent la mise à disposition de statistiques sectorielles désagrégées. C'est important, désagrégées aux échelles de territoire, permettant d'apprécier la fourniture des services publics, l'évolution du secteur économique, la gouvernance foncière, la gouvernance territoriale, une bonne planification stratégique aussi, économique, sociale, territoriale. La sécurisation du foncier en tant que principal facteur de production, la sécurisation également des investissements productifs, parce que quand on sécurise le foncier, on sécurise les investissements productifs, ce qui peut, effet d'entraînement, inciter ces investissements et améliorer les recettes fiscales des collectivités territoriales, une meilleure connaissance des dynamiques d'occupation du sol, l'aide à la cohérence dans l'organisation de l'espace, la prévention des conflits, Kader, tu l'as dit, du fait que les superpositions de droits seront évitées et l'allocation des terres en dehors des limites administratives officielles également seront évitées. Merci beaucoup, Kader. Kader, ton micro est coupé, je pense. Kader, ton micro est coupé. OK, I'm sorry. Je disais qu'au mot, c'est assez clair, assez synthétique et didactique. Je n'ai pas besoin de revenir sur la synthèse pour que le temps file. Abdou, quelle est l'importance des données foncières couvertes pour améliorer les services gouvernementaux, en particulier dans le secteur foncier? Et comment l'Observatoire national des territoires contribue-t-il à cet objectif? D'accord. Merci beaucoup, Kader. Donc, vous savez, la maîtrise de l'information territoriale est aujourd'hui, disons, une condition obligatoire pour asseoir des politiques territoriales crédibles et porteuses de résultats. Donc, l'information est au début. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on veut faire un diagnostic ou bien l'élaboration de stratégies, il nous faut des informations sur aujourd'hui la cible et à la fin du processus également pour effectuer le suivi et l'évaluation ou bien une consolidation et apprentissage. Il nous faut l'information. Donc, l'information doit être collectée en amont et en aval. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui le sens même d'avoir une bonne politique de maîtrise de l'information territoriale afin d'asseoir une bonne politique territoriale. Donc, sur ce point, l'Observatoire a un rôle à jouer puisqu'aujourd'hui, une de ses missions est de promouvoir le partage et la diffusion de l'information territoriale. Il permettra d'évaluer l'impact des politiques publiques, mais également d'apprendre un peu sur les actions que l'État est en train de mener directement sur les territoires, que ce soit sur le secteur foncier, sur le secteur agricole, sur la démographie. Donc, cela nous permet en tout cas de collecter de façon générale l'information et de pouvoir prendre des décisions. Toutefois, je pense qu'il nous faudrait mettre en place des cadres réglementaires afin de définir pour tous les secteurs d'activité, les types d'informations à collecter et à rendre accessibles à l'ensemble des acteurs. Donc, l'atteinte de cet objectif nous permettra
de pouvoir diffuser l'information et permet aux acteurs, que ce soit les universitaires, les étudiants, les acteurs professionnels qui interviennent directement sur le territoire, d'avoir un accès garanti équitable à l'information géographique et foncière. Donc, c'est sur ce point-là que je voulais terminer, Kader, tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou. Je vois que l'enseignement que j'avais tiré de l'intervention de Babali est pris en charge par l'Observatoire. Hein, c'est le partage. Voilà. Babali disait tout de suite que le partager, c'est s'enrichir. Donc, l'Observatoire est là pour partager et faire la promotion d'un enrichissement mutuel entre toutes les parties prenantes de la gouvernance foncière. Alors, donc, Labali, je te reviens. Mais Labali, en gardant à l'esprit la question précédente, comment voyez-vous les données ouvertes servir les objectifs des chercheurs à enquêter sur les questions fondamentales de la société et à fournir des solutions et des options que les décideurs politiques doivent prendre en compte pour résoudre les problèmes nationaux? Merci beaucoup, Kader. On est tous d'accord que la recherche est déterminante pour un pays. La recherche est pour la connaissance, est pour de nouvelles connaissances. Elle fait avancer les connaissances, les savoirs, mais aussi elle permet d'avoir de nouvelles innovations. Et aujourd'hui, le fait que la recherche ait accès à ces données vont permettre à une échelle d'abord locale que des outils qui sont mis en œuvre sont mieux évalués. Les diagnostics seront plus pertinents et on ne va pas faire les mêmes choses tout le temps. Je prends un exemple très simple. Quand on prend le cas du PAOS, on sait tous qu'il est le fruit d'une collaboration entre la recherche, une côté territoriale qui était la comité rural de Rosbecchio, la SAED, l'ISA et tant d'autres. Donc, quand les acteurs aux enjeux différents, mais autour d'une même problématique que les fonciers se rencontrent, on arrive à avoir des outils, à mon avis, qui prennent en compte les réalités locales. Mm-hmm. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ça qui manque. On a des actions déconnectées de la recherche. La recherche, elle est faite à part, déconnectée, où les autres font des choses à part, mais en déconnectant la recherche de ces enjeux, oubliant que la recherche, elle est permanente. Les projets ont des durées de vie bien déterminées. Par contre, la recherche, elle est permanente et au-delà, elle va au-delà des projets. C'est là où aujourd'hui, à mon avis, dans la politique publique qu'on doit encourager, en termes de données publiques, c'est d'intégrer aujourd'hui comment est-ce que les projets et programmes produisant des données foncières vont-elles travailler avec la recherche pour pouvoir au moins assurer la capitalisation des données, leur usage futur, mais également tout l'usage qu'on peut en faire dans les développements au niveau local, au niveau national. Écoutez, la recherche de nos politiques publiques, pour moi, c'est l'une des pires grandes erreurs. Déconnecter la recherche des projets et programmes fonciers, pour moi, c'est dommage. Parce que la recherche joue et jouera un rôle important dans l'accès aux données, mais également dans la transformation sociale par la capacité à produire des données, des connaissances qui sont adaptées aux réalités locales. Voilà, Kader. Mais tout à fait, docteur, je suis tout à fait d'accord. Il faut maintenir cette connexion entre la recherche et les projets fonciers. Mais heureusement que ce que je constate au Sénégal depuis quelques années, vraiment, il y a ce début de connexion entre les différents projets fonciers qui interviennent au Sénégal présentement, avec les instituts de recherche, avec les chercheurs en général. Donc, c'est de plus en plus, on parle de recherche-action, et je crois que c'est pour prendre en charge justement cette préoccupation fondamentale que tu viens de soulever. Ce qui m'amène à Nati. Je vois que l'ODC a également mis l'accent sur les données avec un objectif. Quelle opportunité voyez-vous pour une plus grande ouverture des données foncières d'Afrique? Comment les pays et les dépositaires de données peuvent-ils s'appuyer sur des initiatives telles que l'état des données foncières pour exploiter ces opportunités?
Thank you very much. I know we have just. Merci beaucoup. Donc, je sais qu'on a juste quelques minutes, donc je vais être très rapide. Je pense qu'il est très rapide de comprendre le public, le problème public. Donc, en fait, le problème qu'il y a en révélant les informations, en fait, les, on ne va pas forcément les publier et ça va arriver d'un coup. Ça n'arrivera pas s'il n'y a pas la demande, en fait. Il est aussi très important que, en fait, tout c'est ça a à voir aussi avec un changement culturel. En fait, tout ce qui sont des données créées par le gouvernement appartiennent aussi au peuple. Et c'est très important. Et le travail qui a été fait est important et va dans une bonne direction. Et ça regarde le futur de la politique sénégalaise. Ok, Nati. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que tu as encore mis en exergue un point important qui a été soulevé déjà par notre intervenant. Je crois que c'est nous. C'est surtout par rapport à cette mutualisation des efforts, mutualisation des ressources, mutualisation des moyens, parce que le risque ici, c'est une dispersion. Chacun cherche l'information alors que l'autre l'a déjà trouvée et l'a stockée quelque part. Donc, encore une fois, ça nous renvoie à la pertinence du partage et de la diffusion. Charles Tom. Alors, Charles, le dont j'étais indique que seuls 16% des pays répondent à ces exigences claires en matière de données foncières ouvertes et que la justification politique des données foncières ouvertes est que la documentation publique des droits fonciers peut aider les communautés à protéger leurs droits. Dans le même temps, certains craignent que les données ouvertes ne violent la vie privée des gens. Comment concilier ces propositions apparemment contradictoires? Allô, Charles? I thank you very much. I think. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il reste 30 secondes. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup des données ne sont pas, en fait, sont pas mises en perspective. Un des problèmes de la, en fait, le problème, c'est pas le problème des données, mais c'est le problème de la gestion des données. Et en fait, le Sénégal, à travers ce processus, est en bonne voie. Et c'est, en fait, c'est une question de confiance. Confiance entre le gouvernement et les citoyens et sur comment les données sont utilisées et la libre liberté des données. C'est une question de confiance. Je pense qu'en voyant ce qu'on a fait aujourd'hui ici, on est vraiment sur la bonne voie et je regarde de l'avant pour revoir ce niveau d'engagement et je vois la participation de cette réunion. On est vraiment sur la bonne voie. Je vois beaucoup d'opportunités. Je vois beaucoup d'opportunités en face de nous ici. Le problème d'accès à l'information, donc vraiment, c'est pas un défi sénégalo-sénégalais, c'est mondial, ça se retrouve un peu partout dans beaucoup de pays. Vraiment, c'est un problème, un défi majeur que nous rencontrons, je vois déjà dans certaines contributions dans d'autres pays africains, que ce problème également est récurrent. Alors, maintenant, pour conclure, à l'endroit de tous les panélistes, que je remercie encore une fois. Le Sénégal accueille un certain nombre de portails de données ouvertes, mais il a été constaté que très peu de données foncières sont ouvertes au Sénégal. Et quelles sont les possibilités d'utiliser les capacités existantes et la compréhension des données ouvertes au Sénégal pour améliorer l'accès aux données foncières? Et quelles sont
les prochaines étapes critiques possibles, selon vous? Alors ça, c'est une question ouverte hein, aux différents panélistes. Vous n'avez pas une obligation de réponse, hein, mais celui qui a des éléments de réponse a la parole. Kader, oui. Si tu permets, je pense que un élément est sorti ici très intéressant, c'est la mutualisation et la synergie des acteurs. Il s'y ajoute aussi que en 2009, il y avait un cadre juridique qui a mis en place le groupe le GICC, mais il faut un cadre juridique qui encadre tout le processus de collecte, de traitement, de stockage, de partage et de diffusion des données. Ce cadre juridique permettra de définir un cadre unique d'accès à l'information statistique et géographique, les conditions d'utilisation, le respect des droits d'auteur, c'est important, auxquels seront soumis les utilisateurs. Donc, ça permettra d'avoir une synergie et une mutualisation entre les différents producteurs, utilisateurs de données et le partage de la bonne information actualisée. Merci. Et merci à tout le monde et merci à toi, Kader. Merci beaucoup, Oumou. Alors, Labadé, Charles, Abdou, si vous avez quelques éléments en complément avant que je ne passe en revue les différentes questions que nous avons enregistrées. Oui, donc, Kader, moi, je ne sais pas si tu lis les messages, mais il faut voir le chat là, il parle de qu'on doit arrêter. Moi, c'est juste pour remercier tout le monde, quoi, et puis dire ma satisfaction à participer à ce panel, quoi. Il faut voir les messages, il y a des messages qui circulent là dans le chat. Tout à fait. Pour la modération, cher Kader, merci. Parce qu'on devait arrêter à 14h30, il est 14h34. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans le rapport de l'atelier, toutes les contributions, on va les verser dans le rapport. Toutes les questions également, on va les verser dans le rapport. Donc, il y aura certainement d'autres éléments de réponse à ces différentes questions qui sont posées. Donc, merci beaucoup. Je vois qu'il y avait vraiment la diversité.